Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présenterons la famille d'Emmanuel Macron. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, est un haut fonctionnaire, banquier d'affaires et homme d'État français. Il est président de la République française depuis le 14 mai 2017. Il a grandi dans une famille aisée d'Amiens. Brillant élève, il est admis à l'École nationale d'administration ENA en 2002 après des études de philosophie et de sciences politiques. Il en ressort inspecteur des finances. Ensuite, il devient banquier chez Rothschild de 2008 à 2012. Membre du Parti Socialiste de 2006 à 2009, il participe à la campagne électorale de François Hollande pour l'élection présidentielle de 2012. Celui-ci le nomme après son élection secrétaire adjoint de son cabinet. Il sera ensuite ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique de 2014 à 2016 sous la présidence Hollande. En 2016, il quitte le gouvernement pour fonder son propre mouvement politique, En Marche, parti avec lequel il remporte l'élection présidentielle de 2017 en battant Marine Le Pen avec 66,1% des voix au second tour. Réélu en 2022, Emmanuel Macron entame son second mandat, avec pour objectif de poursuivre ses réformes et de renforcer le rôle de la France en Europe et sur la scène internationale. Son père se nomme Jean-Michel Macron. Né en 1950, c'est un médecin, professeur de neurologie au CHU d'Amiens et responsable d'enseignement à la faculté de médecine de cette même ville. Sa mère s'appelle Françoise Noguet, elle est médecin conseil à la sécurité sociale. Ils sont quelquefois présents lors des grandes cérémonies afin de soutenir leurs jetons. Emmanuel Macron a deux frères et sœurs. Laurent Macron, né en 1979, c'est un radiologue. Estelle Macron, née en 1982, c'est une néphrologue. Côté sentimental, Emmanuel Macron est en couple avec Brigitte Macron. «
Emmanuel et Brigitte se sont rencontrés pour la première fois en 1993, lorsqu'Emmanuel était un élève de 15 ans dans le lycée où Brigitte, alors âgée de 39 ans, enseignait. À l'époque, leur relation était purement professeur-élève. Cependant, quelques années plus tard, leurs sentiments mutuels se sont intensifiés et ils ont commencé à entretenir une relation amoureuse, malgré la différence d'âge conséquente. Leur couple a fait l'objet de nombreuses controverses et critiques, mais ils sont restés soudés. En 2007, alors qu'Emmanuel avait 29 ans et Brigitte 54 ans, ils se sont mariés à Paris. Depuis, ils forment un couple uni et complice, malgré les obstacles et les jugements auxquels ils ont dû faire face. Leur histoire d'amour atypique est devenue un sujet de fascination pour le grand public. Elle illustre leur détermination à vivre leur amour au-delà des conventions sociales et montre la force de leur lien, qui perdure encore aujourd'hui. Le couple n'a pas d'enfants, bien que Brigitte ait eu 3 enfants lors de sa précédente relation, ce qui fait de Macron leur beau-père.